Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue ici au gymnase Daniel Narcisse de la Possession où vont se disputer dans peu de temps maintenant, les finales du tournoi de handball avec une seule et même affiche. Ce sera Réunion contre Mayotte, finale féminine et finale masculine. Deux finales que nous vous proposons de vivre, de suivre en direct donc ce Réunion première avec toujours à mes côtés notre consultant Fred Valermier, conseiller technique et sportif de la Ligue Réunionnaise de handball. Bonjour Fred. Bonjour Johnny. Alors Réunion Mayotte, si on attendait la Réunion à ce stade de la compétition, on peut dire que les Mahoraises sont la grande et belle surprise de ce tournoi. Ben c'est sûr qu'ils ont eu un parcours formidable. Ils ont même étonné le public réunionnais par leur combativité. Et c'est logique qu'elles soient là dans cette finale. Et les deux équipes qui pénètrent sur le terrain de ce gymnase Daniel Narcisse, la composition des équipes avec Delors comme une des trois gardiennes de la sélection de la Réunion, Dijou, Simonin, Brandon, Robert, Sababadi et Ducap. Pour commencer, la capitaine de cette équipe, c'est Leïla, le jeune, la très expérimentée. Et les autres, joueuses, Smith, Megarus, Limavate, Brunet, Lebon et Nani Kaoudin. Voilà pour la composition de la sélection de la Réunion. On regarde maintenant celle de Mayotte avec Naouda, Madi, Malik, Badja, Amadi, Saindou, Haribou. Et les autres joueuses sont Maoulana, Bouanardi, Issaben Ali, Atoumani, Bouanardi, Issaben, Saïd Omar et l'entraîneur maoré étant Ahmed Abdou. On signalera également que les arbitres côté réunionnais sont Vincent Waro et Christian Mtima. Et puis toujours avec nous également au plus près du terrain et donc des joueuses, Pascal Taïlamé. Pascal, bonjour. Oui, bonjour Johnny, bonjour à tous. Alors juste une petite interrogation, on a vérifié la composition de l'équipe réunionnaise et on a vu qu'il y avait trois gardiennes d'alignées sur la feuille de match. Quelle est l'explication ? Ah bah écoutez, elle est tout à fait sérieuse, ça veut dire que concrètement, effectivement, il y a trois gardiennes sur la feuille de match puisque une des joueuses réunionnaises a simplement oublié sa tenue pour cette finale, pas très sérieux on va dire, mais bon, je pense que la Réunion a de la réserve. Un mot Fred Valiamé, un petit oubli pour ce stade de la finale, on oublie sa tenue, c'est assez incompréhensible. C'est sans commentaire. Voilà, on passera sur ce petit détail en tout cas qui profite à une des gardiennes donc. Alors que l'on procède maintenant à la composition des équipes, notamment de l'équipe mahoraise avec ici la numéro 8. Issa Fouzna, la numéro 9. Bouanadi Anzilani. Maoulana Astaoui. Maoulana, la numéro 6, très radieuse les Mahoraises, comme on peut le voir, de se retrouver à ce stade de la compétition. Et on peut être certain, mon cher Fred Valiamé, qu'elles vont tout faire pour déjouer tous ces pronostics qui donnent la Réunion vainqueur. Ben c'est sûr qu'elles n'ont rien à perdre. Elles vont essayer de continuer leur parcours. Hein, et c'est tout le mal qu'on leur souhaite, hein, parce que on est bien peut-être à la Réunion, mais c'est le handball, elles ont bossé, elles aussi, elles mériteraient d'avoir une médaille d'or. Hein. Et elles sont tout sourire, elles distribuent des bisous à tout va, les Mahoraises, véritablement très 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 contentes d'être là à cette finale des Jeux des Îles contre la Réunion. On a vu notamment la capitaine Amidati Amadi Abdila. Et l'entraîneur de cette équipe mahoraise n'est autre qu'Abdou Ahmed. Allez, la présentation de l'équipe réunionnaise. Leïla Lejeune, capitaine de la sélection de la Réunion. Une des grandes dames du sport réunionnais, on peut le dire, Fred. Oh oui, on la voit encore sur le terrain, vraiment en super forme. C'est vraiment un exemple pour toutes nos filles à la Réunion. Les gardiennes, on a vu Marie-Claire Smith, une des grandes gardiennes. Aline Ducap. Numéro 7, Anaël Brandon. Aline Ducap. Numéro 8. Brunet Laetitia qui arbore un petit drapeau bleu-blanc-rouge à chaque fois des Anaïs. Yeux. La numéro 10, Anaïs Simonin. Numéro 15, Sababadi Audrey. Audrey Sababadi qui a également connu le haut niveau avec Fleury-les-Aubry notamment. L'esprit Brigitte.
L'autre grande dame de cette sélection de La Réunion, c'est bien sûr Madame Lesfrit, une des plus anciennes, une des plus expérimentées de cette sélection également. Brigitte Lesfrit, Claudette Robert. Dijoux, Séverine. Livavate Lincé, Séverine Dijoux, la jeune tamponnaise. Nani Kaoudin, Léa. Léa, Nani Kaoudin. Numéro 27. Et enfin, Mégarus, numéro 27. Marinelle Mégarus, la gauchère. Numéro 32. Les deux autres gardiennes, la jeune Valérie Delors. Officiel responsable, Waro Vincent. Elvina, Taber, Mélodie, Kiné, le jeune Laurent. Les deux coachs réunionnés, Vincent Waro, Christian Ensima, et les deux joueuses bien, qui ne sont pas sur la feuille de match, bien, ce sera Mélodie Taber et Elvina Floricourt. Et les arbitres sont malgaches cet après-midi pour arbitrer cette finale. Une paire composée de Honoré, Rajao Narissoa et on va dire Monsieur Roland. Allez, une bonne paire sur laquelle on peut également compter pour bien diriger cette finale. Et surtout, il y a une certaine neutralité. C'est ce qui est important dans ce type de match, hein, que les arbitres qui représentent Madagascar aujourd'hui, leurs équipes ne sont pas concernées directement par le final, c'est une très bonne chose. Et puis ils ont fait un bon parcours pendant le tournoi. Réunion contre Mayotte, c'est la France de l'océan Indien qui est à l'honneur cet après-midi ici au gymnase Daniel Narcisse de la Possession. C'est la première finale donc de ce tournoi de handball. On l'a dit et redit, les Réunionnaises sont les grandissimes favorites. Mais on est sûr et certain que les Mahoraises vont vendre chèrement leur peau. Les Réunionnaises joueront en blanc et les Mahoraises en bleu. Les présentations sont faites. Place maintenant au match. Bon, qu'est-ce qui peut véritablement, mon cher Fadwa Liamé, empêcher les Réunionnaises de battre Mayotte cet après-midi, sincèrement? Déjà, sur le plan défensif, on a constaté quelques, entre guillemets, petites défaillances, surtout dans la répartition des tâches. Souvent, ils ont tendance à venir à deux sur un attaquant. Et je crois que les entraîneurs ont mis un petit peu le point sur ces petites défaillances. Et puis, dans les duels de tireurs-gardiens, on n'a pas été bien parce qu'on a tendance à rester dans le cylindre du gardien. On a loupé pas mal de buts et je crois que cet après-midi, il faudra les mettre au fond si on veut assurer cette finale. Et on rappelle que les Réunionnaises ont fait un parcours sans faute jusque-là. Reste maintenant à finir le boulot, à finir la mission. L'étape de la finale est atteinte. C'était la moindre des choses. Maintenant, reste à gagner la médaille d'or contre cette équipe de Mayotte. La sélection de La Réunion menée par Leïla Lejeune. On parlait de grande dame et on rappelle que Leïla Lejeune a fait le beau jour de Metz, multiple fois championne de France avec l'équipe de Metz. Et puis les grandes joueuses de l'équipe de France, elle avait été désignée, on le rappelle quand même, meilleure arrière du monde lors du mondial 2003, si je ne m'abuse. Ben c'est exactement ça. Et puis il n'y a pas que ça. Elle a une carrière exceptionnelle, aussi bien à Metz, à Viborg, en équipe de France. C'est vraiment l'exemple, l'exemple dont doit s'inspirer nos petites réunionnaises si elles veulent un jour avoir une carrière aussi intéressante et fabuleuse. Alors, en tout cas, les joueuses étaient prêtes à jouer. Intrusion amicale, bien sûr, des photographes des jeux sur le terrain pour immortaliser les actrices de cette finale avec d'abord bien sûr les Réunionnaises dans leur but et ensuite bien sûr ce sera autour des Mahoraises et après coup on pourra entrer une bonne fois pour tout dans le vif de cette finale du tournoi de handball féminin entre la Réunion et l'équipe de Mayotte. Alors effectivement on le disait, c'est de
de finale, après-midi de finale, qui se joueront à guichet fermé. Et puis, bizarrement, si on regarde un peu dans les tribunes, mon cher Fred, on se rend compte eh bien, que les tribunes, pour l'instant, ne sont pas encore pleines. Est-ce à dire que eh bien, les gens qui ont acheté leur billet ont choisi leur finale? C'est-à-dire y en a qui arriveront un peu plus tard pour la finale des garçons. Comment expliquer que pour l'instant, eh bien, le gymnase Daniel Narcisse n'est pas tout à fait plein? Bon, théoriquement, il resterait encore 5 minutes pour le remplir. Mais bon, on sait pertinemment que les gens qui sortent du boulot, qui font des grandes distances pour venir voir le match, ils vont peut-être aussi être un petit peu en retard. Et puis, pour être honnête avec vous, Johnny, souvent, les gens ils viennent surtout pour le match de garçons. Parce que les filles, que l'on veuille ou pas, ont encore leur preuve à faire dans le championnat régional pour que elles aient l'adhésion de tout un public. Hein. On a encore du travail à faire à ce niveau-là. Johnny. On s'y attache et puis voilà. Hein. On espère en tout cas que le public sera de plus en plus nombreux au fur et à mesure qu'on avancera dans cet après-midi de finale. Oui, Pascal Taillamé. Oui, juste pour vous dire qu'à l'échauffement, la gardienne mahoraise s'était fait un petit peu peur. Hein, le souffle coupé. Et bien finalement, elle est bien revenue. Elle est allée se rafraîchir. Et les deux gardiennes sont bien présentes sur ce parquet. Et les deux gardiennes avec le sourire. Et c'est tant mieux puisque eh bien, c'est parti dans cette finale du tournoi de handball féminin. Avec les mahoraises en bleu à l'engagement avec à la main la numéro 4. Yasmina Saindou et la capitaine notamment Amadi Amidari. Allez, les Mahoraises à l'attaque avec une défense avancée donc d'une des joueuses de la Réunion en poste de pivot. Bonne défense de la Réunion. Et ce sera un coup franc pour les Mahoraises. Ouais, bonne transition entre la numéro 4 et son pivot. Et premier arrêt de Valérie Delors. On peut dire que sur cette action-là, mon cher Fred, les Réunionnaises se sont laissées un petit peu avoir. Hein. C'est vrai qu'on est en début de match, mais tout de même. Encore une fois, des problèmes de répartition. On a un départ délié. Il n'y a personne qui fait les changements, qui amène une fille réunionnaise tout seule au 6 mètres. Et sur la lancée, eh bien, une première occasion pour la Réunion. Malheureusement, eh bien, Aline Ducap n'a pas trouvé le cadre avec un tir. Elle était pourtant bien décalée, mais le tir est complètement hors cadre. Allez, juste le temps de s'adapter à cette finale. Il faudra eh bien, rectifier un peu le tir avec les Mahoraises maintenant l'attaque. Ah, elles ont tenté une nouvelle fois la relation avec le pivot. Aline Ducap qui lance directement pour... Attention, la faute est grossière là. Pas volontaire peut-être, mais une sorte de petit croche-pied là de la capitaine Mahoraise sur Audrey Sababadi. Ce sera un premier jet de 7 mètres donc pour Leïla Lejeune, la capitaine. Bon, plus de peur que de mal sur cette action. Ça aurait pu être dangereux, ça ne l'est pas, tant mieux. Face à face Lejeune et la gardienne Mahoraise. Et la Réunion qui ouvre donc le score ici au gymnase Daniel Narcisse. 1-0, but de Leïla Lejeune sur pénalty. Allez, il faut attendre maintenant, il faut espérer, mon cher Fred, que ça, eh bien, que ça déclenche véritablement les hostilités et surtout les bonnes intentions. Oui, pour l'instant, quand on regarde les attaques, ils se sont créés facilement des occasions. Bon, malheureusement, les Mahoraises ont du mal dans la continuité du jeu. Hein. Ils perdent des ballons, ils font des mauvaises passes, ce dont profite la défense réunionnaise. Et voilà... L'attaque se met en place. Allez les Réunions, hein, l'attaque avec les liens. Audrey Sababadi qui trouve la faille. C'est bien joué ça. Encore un bon décalage de trouvé pour les Réunionnaises. On va revoir ça au ralenti. Et imparablement, eh bien, Audrey Sababadi qui prend le meilleur sur la gardienne Mahoraise. Ça fait 2-0 pour la Réunion. Voilà, sur 3 tentatives actuellement, on a quand même 2 buts. Ce qui est quand même des statistiques intéressantes. Hein. Il y a eu juste le petit loupé d'Aline. Mais bon, voilà, encore une fois. Allez, les Mahoraises, ils ont du mal. Et puis, contre attaque de la Réunion avec Leïla Lejeune, très altruiste pour Audrey Sababadi. Et ça fait 3. Ça fait 3 avec 2 buts pour Audrey Sababadi. 2 buts d'affilée. Très altruiste, en tout cas, la capitaine de la sélection de la Réunion, alors que eh bien, les personnalités politiques continuent d'arriver ici.
au gymnase Daniel Narcisse. On a vu le président, on voit le président du comité d'organisation Thierry Grimaud arriver avec le représentant de la région, notamment les responsables de la délégation mahoraise. On a vu tout un staff également donc du COJI. On a vu même le président de la région Réunion qui est venu cet après-midi assister donc à cette finale féminine. Rassemble. Hein. Pour le bien, bien sûr, pour le meilleur. Et toujours, hein, c'est un sport où les gens aiment y être, hein, la preuve. Il y a du beau monde cet après-midi, il y a des gamins, il y a des jeunes. Il y a même des anciennes handballeuses qu'on a rencontrées qui se retrouvent un petit peu lors de ces finales. Et Audrey Sababadi sur son aile continue son festival, son récital. Bien mis sur orbite par Anaël Brandon et c'est le quatrième but pour la Réunion et le troisième personnel pour Audrey Sababadi. Ça fait 4-0 pour la sélection de la Réunion après 5 minutes de jeu maintenant. Nous sommes, si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien nous sommes dans la finale du tournoi de handball féminin entre la Réunion et Mayotte. Mayotte au tir et Mayotte qui marque enfin, qui débloque son compteur grâce à Dasanti Buanadi. Et ça fait 4-1 pour la sélection de la Réunion. Voilà, une mauvaise une autre perte de balle de la Réunion qui permet à Mayotte de récupérer le ballon. Et tranquillement, ils se mettent en place. Et ça va repartir pour Mayotte. Avec sa capitaine, Amadi. Amadi encore, Saindou. Le pivot est entré, attention, l'ailier parfait en troisième pivot. Et là, la numéro 4, qui s'est engouffrée dans la brèche qui s'est ouverte devant elle. Là, visiblement, petit souci de défense. On va revoir cette action. On prend deux buts d'affilée. On est à côté au niveau défensif. Hein. Dans le duel, on se fait manger. On permet un décalage de l'autre côté alors qu'on vient aider, alors qu'on n'est pas battu. Et c'est ces problèmes récurrents qui, actuellement, m'empêchent de penser qu'on va se balader pendant cette finale parce que les Maorés, elles vont jouer le coup à fond. Déjà, elles commencent à prendre... elles ont une option technique, là, c'est-à-dire qu'ils prennent les larmes individuelles. Ah, Naël Brandon, là, qui bute sur la gardienne de Mauraise. Ce soir, un jeu de 7 mètres. Oui, il y a une petite faute qui a gêné un petit peu Anaël dans son tir. Hein. Et là, les jeunes qui se retrouvent face à la gardienne de Mauraise pour un deuxième jeu de 7 mètres. Pardon. 100% de réussite pour la capitaine réunionnaise qui marque son deuxième pénalty. Et la Réunion qui mène 5 à 2 après 7 minutes de jeu maintenant. C'est plutôt bien parti, mais on a constaté, Fred Valiamé, eh bien quelques petites hésitations en défense côté réunionnais. Et là, c'est plutôt eh bien, les membres qui s'en mêlent un peu les pinceaux. Il est là. Annika Houdin qui s'en va seule et qui marque en force. C'est vraiment une action très individuelle. De quelqu'un qui a envie d'aller au but, qui a envie de marquer des buts. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Hein. Mais c'est vrai qu'elle s'est arrachée là sur cette action. Léa Annika Houdin. Allez, les Maoris en attaque. Avec Saindou qui décale son ailière et qui changement d'aile donc. Et un marché côté Maoré. Allez, petite faute technique, sans conséquence heureusement pour la suite des événements. Et c'est la Réunion qui repart en attaque avec Anaël Brandon. C'est la jeune Séverine. Attention. Et c'est encore Anaïka Houdin, encore une fois. Très belle action. Elle a su se dégager de l'emprise du défenseur. Et elle a fait l'appel de balle dans la zone. C'est vraiment du très beau travail. Avec quand même une défense mahoraise un peu naïve sur cette action, dans la mesure où Léa Annika Houdin, eh bien, c'était tranquillement placée derrière la défense bleue. Elle n'avait plus qu'à attendre une passe
d'une coéquipière pour bien sûr convertir la passe en but. Et après, quelques 8 minutes de jeu, bien regardons le score, 7-2 pour la Réunion. On va écouter ce que dit l'entraîneur Maoré. Évite quand tu dribbles de regarder au sol. Le problème, tu as dribblé, tu as regardé au sol, les renseignements par la maïs passe, il faut que tu veux marcher. Dans la série, les ballons ne pas au regard, on lâche. Avance, passe là. Chaque fois, tu fais faire la passe à Yasmina, tu dis que Yasmina arrive. Pourquoi tu n'insistes pas pour rentrer, c'est où on libère Yasmina. Mais tu insistes, tu t'as deux blocs, on t'a pas concret, tu commences à te mettre technique. Soit tu restes, tu rentres, comme ça tu vas récupérer le procès, Yasmina peut croiser. Soit tu y arrives, il y a le pivot qui sort. Mais le problème, absolument, c'est que tu te donnes pas le ballon à Yasmina. Les filles, c'est un petit niveau, les filles, c'est un niveau élevé. Les filles, soyez prudentes. Ah, les filles, on dépasse. Ce que vous faites, les filles. Soyez vigilantes, communiquez. Allez, elle est tout en dehors. Alors, on a entendu beaucoup de choses. On a entendu vigilance, on a entendu meilleure communication. On sent bien que dans les rangs maorais, eh bien, ça ne combine pas comme il le faudrait. Et forcément, c'est pour cette raison que l'entraîneur maorais a demandé ce temps mort pour remettre un peu d'ordre dans ses troupes. Ce qui est une bonne chose, hein, parce qu'ils sont actuellement en difficulté, aussi bien défensivement qu'offensivement. Johnny ? Oui, Fred. Oui, Pascal. Oui, juste vous dire également que sur le banc, encore, ça continue à discuter. On dit que c'est un niveau élevé. On rappelle aux filles maoraises que c'est un niveau élevé. Donc, il faut vraiment, vraiment se donner à fond parce que là, sinon, ils vont recevoir une fessée. Et là, c'est la numéro 4. Yasmina Saindou qui vient de passer la défense réunionnaise et inscrit le troisième but maori. La Réunion en attaque avec Audrey Sapapadi qui déborde et qui tire. Mais bel arrêt du gardien. Il y aura quand même une faute sur l'ailier réunionnaise. Voilà, il faut se placer, il faut remettre le projet en place. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà, on a la chance d'avoir Léa dans le dispositif défensif. C'est une pivot qui a de l'abattage, qui gagne ses duels souvent. Je crois que c'est une très bonne chose de jouer avec elle. Et ce qu'a bien compris les arrières de la sélection. Et Leïla Lejeune en échec là face à la gardienne Maurez. Cette fois-ci, elle avait choisi l'angle différent de ses deux précédents tirs et arrêt de la gardienne Maurez. En l'occurrence, Kissimati Atoumani. C'est bien, les Maurez qui reprennent un peu du poil de la bête avec ce but et cet arrêt de gardienne. Et encore une fois, le décalage est parfait là pour Leïla Maurez qui marque un deuxième but d'affilée. Signé Buanadi est sur la relance, et bien Léa Nanikaoudin. Alors but accepté ou refusé, si le but est accepté avec au passage une exclusion temporaire pour une joueuse maoraise. Et la pivot de la sélection de l'Agnon qui nous fait un début de match particulièrement bon. Trois buts pour Léa Nanikaoudin, vous le disiez, hein. Ah non, elle a tout ce qu'il faut. Voilà, tout ce qu'il faut pour changer le résultat de ce match, hein, parce qu'il y a beaucoup de solutions au sein du dispositif défensif. Et c'est à elle d'en profiter. Hein. Malheureusement, on a encore tendance à faire des fautes bêtes en défense qui permettent aux Maoraises de rester à trois longueurs. Alors que théoriquement, on devrait avoir au moins 5-6 buts d'écart par rapport à ce qu'on a vu sur cette première partie du match. Et on l'a vu par deux fois, les Maoraises ont marqué sur le côté droit. C'est un côté pour l'instant défaillant en défense réunionnaise. Allez, une faute Maoraise en phase offensive. C'est une contre-attaque réunionnaise avec Laetitia Brunet qui voilà, convertit la contre-attaque. Voilà, en déséquilibre quand même, mais elle parvient à tromper la gardienne maoraise et inscrire le 9e but réunionnais après maintenant un peu plus de 11 minutes de jeu. Voilà, c'est une finale qui est bel et bien lancée avec une tentative de la très grande maoraise Benfazia Issao, 9 mètres, mais un bel arrêt de Valérie Delors. Allez, ça repart pour la Réunion avec Anaëlle Brandon. Leïla Lejeune qui décale son ailière, mais la passe n'était pas suffisamment puissante et c'est une contre-attaque
Mahorez emmené par la numéro 10 qui trouve la faille. Ça aussi, c'était bien mené. Un but d'Aboushirou Saïd. Alors, il se passe des choses sur le banc de touche. Il y a une protestation de Vincent, qui était un petit peu légitime, hein, parce que je pense qu'il y avait une faute sur Leïla, qui n'a pas été sifflée, mais bon, on a des règlements. Oui, Johnny. Et à l'arrivée, ça fait carton jaune pour Vincent Ouarou. Voilà. Visiblement. Oui, Johnny. Oui, Pascal. C'est bien ça, effectivement. C'est Fred de Valermé l'a dit. C'est M. Garcia qui a signalé à l'arbitre cette contestation, donc il a pris un carton jaune. Ben, c'est le rôle un petit peu du délégué. Hein. Son rôle, c'est surtout de faire en sorte que le match se déroule dans la plus parfaite harmonie, qu'il y ait le moins de contestation. Et il est là pour aider la paire d'arbitres à assurer le déroulement du match. Et pendant ce temps, Séverine Guijou a inscrit un 10e but pour la Réunion, alors que la bonne défense de Claudette Robert, notamment, allez, qui a bien stoppé l'attaque Mahorez, mais qui au passage bien prend un carton jaune d'avertissement. Allez, ça repart pour les Mahorez avec Saint-Dou là qui tente le 1 contre 1 face à Claudette Robert, mais il se fait contrer par la défense réunionnaise. Et ça repart pour les Mahorez avec la grande Issa, numéro 5, la capitaine. Saint-Dou maintenant qui décale encore parfaitement son ailier qui trouve l'ouverture. Décidément, on a du mal. On a beaucoup de mal à défendre sur les ailières Mahorez, mon cher Fred Valermé. Ben c'est récurrent. On a une ailière en défense qui n'est pas concernée par l'action et qui vient aider son numéro 2 alors qu'elle n'a pas besoin d'aide. Donc, ce qui fait qu'il y a un décalage. Et derrière, la gardienne Mahorez qui fait un super barré sur la tentative d'Aline du Cap. Ah, il ne faudrait peut-être pas, eh bien, laisser ces Mahorez revenir dans la partie. Sur les 7 buts qu'elles ont marqués, il me semble qu'il y a au moins 4 qui étaient inscrits sur les ailes. Hein. Il faudra qu'on fasse attention à la mi-temps. J'espère que les coachs ils vont essayer de mieux gérer ce problème-là. Parce que c'est vraiment un problème qui est récurrent dans notre défense. Alors Issa qui décale encore son ailier et cette fois-ci le tir va sur le poteau. Début réunionnais, c'est pas passé très loin et encore une fois, eh bien, les Mahorez ont trouvé le passage sur l'aile. Laetitia Bruniel qui est allée toute seule. Et la Réunion qui pour l'instant, Fred Valermier, score sur des actions plutôt individuelles. Ben c'est sûr qu'elles ont le mérite de monter les balles, ce qui est intéressant. Ça veut dire qu'elles prennent le repli défensif de vitesse bien souvent. Et puis, ben, elles ont quand même des qualités techniques qui leur permettent, sur le plan individuel, de gagner leur duel. Et tir d'Issa, c'est encore sur le poteau. Paverny et les Mahorez sur leurs deux attaques là, d'affilée. Et Valérie Delors qui lance Laetitia Brunet, mais là encore une fois, une passe beaucoup trop longue. Pas assez précise. Et cela va permettre aux Mahorez de repartir. Le score 11-7 pour la sélection de la Réunion dans cette finale féminine. Après maintenant 15 minutes de jeu, les Mahorez qui restent bien au contact. Issa pour la capitaine Amadi, Saint-Dou qui décale encore son ailier. Cette fois-ci, la défense réunionnaise a plutôt bien défendu. Et au passage, Aline Ducap prend un avertissement, carton jaune. Allez, Buonadi avec Saint-Dou. Saint-Dou, Issa qui redonne pour la numéro 4 qui tire. Et Valérie Delors était là. Allez, faute de zone de la pivot Mahorez et la Réunion peut repartir avec Leïla Lejeune. Allez, il faudrait peut-être calmer un peu les ardeurs là parce que ça balance un peu aux quatre coins du terrain. Côté réunionnais, Lindsay Livavate qui évite la défense Mahorez. Et on peut considérer encore Fred Valermé que c'était une action jolie, tu vois bien qu'il y a solitaire. Il y a 5 filles et Mahorez qui sont en défense. Mais elles aussi, elles ne défendent pas. Elles se font passer en 1-1 trop facilement. Et tant mieux pour nos réunionnaises.
Mayotte avec Saint-Dou. Saint-Dou qui tire, il trouve la lucarne de Valérie Delors, c'est bien. Et voilà Mayotte qui revient à 4 unités de la Réunion, 12 à 8 maintenant après 16 minutes de jeu. Et Claude Trébert qui trouve encore l'ouverture. Claudette Robert là qui pivote sur la Mahoraise qui parvient à trouver la faille. Ballon entre les jambes de la gardienne Mahoraise. Et puis Johnny, tu sais, ce qui est intéressant aussi dans l'attaque réunionnaise, c'est qu'elle joue beaucoup sur ce qu'on appelle le jeu en transition. C'est-à-dire à chaque fois, ils essaient d'engager très rapidement le ballon pour essayer de prendre cette défense de vitesse. Et actuellement, elle le réussit très bien. Et la preuve, à 17 minutes de jeu, on a déjà à peu près 13 buts. Et c'est quand même pas mal. Et c'est vrai que défensivement parlant, les Mahoraises, alors, se montrent des fois assez naïves sur certaines situations d'attaque adverse. Allez, la Réunion qui repart. Avec une Céline Amaté, c'est bien décalé sur le côté. C'est Céline Dijou là qui a buté sur la gardienne Mahoraise. Ah, c'est encore bien fait là entre la relation. La très bonne relation entre Leïla Lejeune et Séverine Dijoux. Et toute la vista de Leïla Lejeune, centre de passe aveugle pour Séverine Dijoux, devenu pivot. Dès l'arrivée, ça fait le 14e but réunionnais. Oui, et Pascal. Et M. Garcia qui continue dans son rôle, à savoir il est venu avertir l'arbitre que l'un des adjoints de Mayotte était un peu trop virulent sur son banc. Et donc avertissement pour l'adjoint du coach Mauré. Ah, il est en forme, en tout cas François Garcia, Fred William May, il est en forme. Il veut surtout, que cette finale, se passe dans les meilleures conditions. Et souvent, c'est dans les premiers moments du match où il faut donner la tendance. Et il a bien fait comprendre aux différents coachs qu'il y a des attitudes à ne pas avoir sur le terrain de handball. Ah, très bien, très belle percussion là, de la grande Issa côté Mahoraise pour le 10e but de Mayotte. Et sur cette action-là encore, eh bien, la défense réunionnaise s'était montée à son tour naïve. Et sur la relance, Séverine Dijoux comme une grande. Ah, qui percute et qui va tromper la vigilance de la défense de la gardienne Mahoraise. Ça va d'un camp à l'autre. À ce rythme-là, il faudra tenir physiquement. Ben, écoutez, il reste près de 50 minutes à jouer. 40 minutes, pardon. On a le temps. On a le temps. Il y a un banc. Il y a des remplaçants. Mais au moins, c'est un handball, un spectacle. Ça vit, ça court. Les gens, le public, apparemment, est content. Il y a des applaudissements. Donc, tant mieux pour l'homme. La Réunion en contre-attaque maintenant avec Laetitia Brunet et Marinelle Mégarus. Oh là là, Marinelle Mégarus qui a trop enlevé son tir. Et elle a raté ce qu'on peut appeler dans le langage sportif un immanquable, Marinelle Mégarus. Elle a voulu bien faire. Et ben, bien faire même peut-être. Ça arrive. On peut rien lui reprocher. Elle met tellement d'ardeur dans ce qu'elle fait. Et l'erreur est humaine. Hein. Vous êtes très très tolérant, mon cher Fred Valiamé. Hein. Surtout envers les joueuses. Vous l'étiez moins avec les garçons. À l'époque où vous entraîniez la grande équipe de Joinville à l'époque. Ça fait des années, on a changé, on vieillit. On est un peu plus tolérant. Non, ça va. Je pense qu'elle a bien compris le message de son coach. Et au prochain tir, je pense qu'elle ne va pas faire de la dentelle, comme dirait certains techniciens. La Réunion en attaque avec Claudette Robert. Claudette Robert avec. Voilà, on défend fort, solide sur Claudette Robert. Lince Livavaté désormais en position de demi-centre avec Anaïs Simonin. Claudette Robert. Anaïs Simonin. Marinelle Mégarus. Anaïs Simonin, ça manque de vitesse un peu dans cette action avec. Laetitia Brunet qui prend le tir un peu forcé peut-être. Oui, c'était pas elle de prendre ce tir-là, dans le sens où on a une ligne d'arrière qui a un bras intéressant. Elle a d'autres rôles à jouer dans cette équipe. Il faudra quand même qu'elle s'y prête. Et on retrouve Mayotte en attaque maintenant. Avec sa capitaine Amadi
Issa Amadi encore une fois. Guanadi et un ballon récupéré par Anaïs Simonin qui peut lancer la contre-attaque avec Claudette Robert. Voilà une petite, une grosse hésitation fatale pour les Mahoraises sur une phase d'attaque. Ballon perdu, bien exploité, et cela hein. Génère ça, hein. Immédiatement une contre-attaque. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà, il y a une option qui est prise aussi par Vincent. Voilà, on le voit sur ce plan large. Voilà, il y a la petite numéro 4, là, celle qui pose le plus de problèmes. Et un nouveau ballon récupéré, gratté par Lindsay Livavate qui lance Laetitia Brunet. Et ça fait but, le 17e pour La Réunion. Bien qu'il ait eu, mon cher ami, retombé en zone. Hein. Oui, effectivement, un appui zone là. Ouais. Et c'est donc la jeune Séverine Dijou qui a été chargée d'aller au marquage individuel sur la numéro 4 mahoraise. Yasmina Sindou jusque-là. Oh là, encore une fois, la numéro 6 là, qui en un contre un a quand même mis un petit vent à Marina Almégarus. Heureusement que la finition n'était pas très bonne côté mahorais. Allez, La Réunion maintenant avec Anaïs Simonin. Lindsay Livavate, Claudette Robert. Voilà, ça part sur un espagnol. Claudette Robert. Ah, dommage. C'était bien. Elle était dans les bonnes conditions. Allez, on se calme. Voilà. Laetitia Brunet, Marina Almégarus qui va aller au but. Et bel arrêt. Et du gardien, là aussi, c'est peut-être un peu forcé. Oui, en plus, elle s'enferme. Elle n'ouvre pas son angle de tir. Il y a quand même. Une gardienne qui fait les parades en face. Je pense qu'il faut qu'elle soit plus rigoureuse dans ce qu'elle fait. Sinon, je pense que Vincent ne va pas se gêner pour la remplacer. De la rigueur, du sérieux et surtout de l'efficacité, c'est tout ce qu'on demande à ces 14 actrices de cette finale du tournoi de handball. Joli. On va suivre cette action avec la capitaine, un tir qui est contré par la défense réunionnaise. Oui, Pascal. Oui, juste vous dire qu'on commence à avoir dans les tribunes des allées La Réunion. Ça commence à mettre un peu de l'ambiance ici dans ce gymnase Daniel Narcisse. Voilà, et des tribunes un peu plus garnies qu'elles l'étaient au coup d'envoi donc de cette première finale. En tout cas, on affiche un gymnase complet pour ces deux finales du tournoi de handball. Réunion-Mayotte. Une seule et même affiche, Réunion Mayotte chez les filles, Réunion Mayotte également chez les hommes. Et c'est un jet de 7 mètres pour Mayotte. Et c'est justement la numéro 4, Yasmina Sindou, la meilleure marqueuse mahoraise qui s'y colle. Et allez de Valérie Delors. Voilà un arrêt chaudement applaudi par les supporters réunionnais. Voilà, très bonne lecture du tir maoré pour Valérie Delors, la jeune gardienne du tampon. Oui, Valérie a bien étudié un petit peu les tireurs, hein. c'est son point fort. Elle travaille beaucoup, elle a profité des matchs qu'elle a vus pour prendre des informations chez les tireurs adverses. Hein. Et ce qui montre bien qu'il y a du sérieux dans cette préparation. Voilà, l'arbitre, un des arbitres malgaches qui intervient pour calmer deux joueuses, en l'occurrence Séverine Dijoux et la numéro 4 mahoraise Yasmina Sindou. Voilà, petit rappel à l'ordre. Et Mayotte qui continue à attaquer avec sa capitaine Issa. La tentative de 1 contre 1, bonne défense de La Réunion. Valérie Delors qui lance la contre-attaque pour Laetitia Brunet. La fusée Brunet. Et on va revoir l'action ralentie. D'une main, elle arrive à récupérer ce ballon pour aller. Ah oui, et puis il y a une très belle relance qui reste dans sa course. Elle n'est pas obligée de s'arrêter pour prendre le ballon. Et en plus, techniquement, elle a un savoir-faire intéressant et qui se termine par un beau but. Allez, après 25 minutes de jeu, 18 à 9 pour La Réunion dans cette finale du tournoi de handball féminin, 18 en faveur de La Réunion. La grande Issa côté mahorais maintenant, avec sa capitaine.
Voilà, ça combine côté Maoré, ça cherche la faille, une passe un peu basse, mais la capitaine parvient quand même à récupérer le ballon. Voilà, c'est un peu brouillon côté Maoré, mais peut-être la grande Issa va me faire démentir. Et encore un arrêt de Valérie Delors à la réception. Il y avait encore une Mahoraise. Voilà, très entreprenante les Mahoraises, malheureusement. À la finition, ça pêche un peu. Mais il y a de l'envie, il y a de la volonté côté Mahoraise, et ça, c'est bien. Et il y a aussi ce qu'on peut-être, on peut peut-être souligner, hein, les arbitres malgaches qui tiennent bien le match. Et il faut quand même le souligner parce que c'est pas un match facile à arbitrer. Et pour l'instant, ils s'en sortent très bien. Une défense en zone d'Aline du Cap, me semble-t-il, ou plutôt de Séverine d'Aline du Cap, là, qui donne un jet de 7 mètres donc pour Mayotte. Et c'est la capitaine Amadi qui s'y colle. Et cette fois-ci, elle marque. Valérie a pris une option de rester dans les buts. Et malheureusement pour elle, la tireuse l'a bien lu et a placé le ballon un petit peu loin de ses appuis. Attention, c'est peut-être un peu... On s'est joué trop petit alors que Vincent Ouaro vient de poser son temps mort. Allez, on va entendre ce que l'entraîneur réunionnais a à dire à ses filles. On vous rappelle le score 18-10 à moins de 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. On écoute Vincent. Il échoue, il défend comme Madagascar. Pareil, devant, vous reculez. D'accord Léa, tu reprends ta place. Seb, tu reprends. L'équipe du départ, il reprend sa place. L'équipe du départ reprend sa place. D'accord ? La même équipe. Vous reculez, vous prenez le temps et vous jouez en passé bas. D'accord ? Vous n'en ayez pas la tête. Regardez Léa à l'intérieur, il y a des solutions, elle se met au milieu. Et à l'intérieur, vous lui donnez des balles sur les côtés, côté droit, côté gauche. Elle aura des solutions, d'accord ? Allez, les, prenez le temps, c'est le Alors, traduction, mon cher Fred Valermi, sur ce qu'a dit Vincent Ouaro. Moi, j'attendais que tu allais me faire une analyse du coach. L'analyse, non. C'est pour vous. Ce qu'il a donné, comme consigne simple, hein, c'est de bien se placer sur le terrain et surtout de jouer en passe-va, d'aller vers le but, d'utiliser Léa dans le dispositif, hein, comme appui, et puis de jouer beaucoup avec elle parce qu'elle, actuellement, elle prend le pas sur les Mahoraises en attaque. Alors, Léa, c'est Léa Nanikaoudin, la pivot numéro 21. La Réunion en attaque avec... Avec Anaël Brandon là qui fait une reprise de dribble. Fort justement sanctionné par la paire d'arbitres malgaches. Et ce qui permet à Mayotte de repartir à l'assaut des buts réunionnais. Amadi Issa Naouda qui vient de faire son entrée sur le terrain côté Maoré. Amadi Issa Naouda. Ah, très mauvais espace de Naouda. Ce sera une touche pour les Réunionnaises. Voilà, les Mahoraises qui en cette fin de première mi-temps eh bien, jouent beaucoup d'imprécision. Annabelle Brandon pour Aline du Cap. Le but y est, mais il y a Apuison. Un but refusé fort logiquement. Et les Mahoraises qui se retrouvent une nouvelle fois en position offensive avec Naouda Amadi. Naouda qui force un peu, qui essaie de forcer le passage dans la défense réunionnaise. Et au passage, eh bien, c'est Anaël Brandon qui prend une exclusion temporaire de 2 minutes. La faute ne semble pas évidente, mais... L'arbitre malgache en a décidé autrement. Et voici les Mahoraises maintenant en supériorité numérique dans cette fin de première mi-temps avec la capitaine Amadi qui décale son ailier Issa. Et encore un arrêt. Bel arrêt de Valérie Delors qui nous sort une première mi-temps, ma foi, très très convenable. De toute façon, ça aurait pu être une amant, la connaissant. Elle veut tellement cette médaille que. Elle va tout faire pour rentrer chez elle avec cette médaille. En revanche, là, la défense réunionnaise n'était pas suffisamment vigilante et la capitaine Mahoraise a pu marquer le 11e but pour son équipe. 18-11
On joue les 50 dernières secondes de cette première mi-temps. Avec une entrée de Leïla pour essayer de faire redescendre le défenseur. Mais bon, malheureusement, une petite faute bénigne, mais bon. On voit bien que ce n'est pas son poste de prédilection, Leïla le jeune. Ben, on ne peut pas tout faire dans la vie. Hein. Effectivement, attention à cette contre-attaque. Mahorez et la capitaine Nax se fait accrocher par très bonne défense de Leïla le jeune. Elle s'est rattrapée. Et c'est tout Leïla hein, qui est une battante, qui a envie à chaque fois de donner le meilleur d'elle-même. Naouda qui décale son arrière. Bonne défense de la ligne du cap. Alors les arbitres malgaches n'étaient pas d'accord, mais dans ces cas-là, eh bien, c'est l'arbitre central, c'est la décision de l'arbitre central qui prévaut. Exactement, Genou. Alors on a demandé, alors c'est terminé, 18 à 11 donc dans cette première mi-temps, 18 à 11 en faveur de la Réunion. Après donc les 30 premières minutes de jeu pour l'instant, c'est plutôt bien parti pour la Réunion, mais rien n'est fait. Allez, une première réaction avec l'entraîneur réunionnais, Vincent Waro, micro de Pascal Taïlamé. Oui, avec Vincent Waro, coach, j'imagine plus 7 à la mi-temps, satisfait de vos filles. Oui, satisfait, mais bon, on a encore des petites imperfectibilités sur certains secteurs de jeu, notamment sur le plan défensif, où les filles, des fois, ont tendance à regarder ce qui se passe et donc elles se font prendre bêtement sur des situations de duel, simplement en un contre un. Quel est votre message, justement, à la mi-temps pour qu'elles repartent aussi fortes? Eh bien, de rester concentrées jusqu'au bout, on a encore 30 minutes à jouer et de pas lâcher prise, et surtout veiller, surtout sur le plan défensif, à ne pas lâcher prise, quoi, parce que dès qu'on commence à sentir un relâchement, tout de suite derrière on se prend des buts bêtes et ça redonne confiance à l'adversaire, donc il faut faire très attention quand même, il vaut mieux les laisser à distance. Merci. Voilà, des imperfections à gommer, vient de dire l'entraîneur de la Réunion, Vincent Waro. Effectivement, on l'avait constaté également, mon cher Fred Valiamé, des petites imperfections notamment en défense, ça a été le cas en début de match, alors qu'on le voit hein, les gradins du gymnase Daniel Narcisse désormais bien complet. Alors ces petites imperfections, bon, les gommer peut-être avec un peu plus de rigueur. Ben, c'est l'exigence de Vincent. C'est-à-dire que on a besoin de concentration. Dans un premier temps, on a besoin de concentration. Et surtout de communication, il faut qu'elles se parlent entre elles. Parce que les départs dédiés souvent posent problème. On a tendance à venir aider quand il ne faut pas. Bon, je pense que les coachs sont très conscients de ce problème et ils vont essayer au cours de cette mi-temps de mobiliser les filles pour qu'elles commettent le moins d'erreurs possible à ce niveau. Et regardez ce monde qui présent ici dans le gymnase Daniel Narcisse pour vivre et suivre donc cette double finale Réunion Mayotte. Et pour l'instant, eh bien, après 30 minutes de jeu dans la finale féminine, eh bien, l'avantage est pour la Réunion qui mène 18 à 11. Alors, est-ce que Pascal Taïlamé a réussi à voir l'entraîneur maoré? En attendant, eh bien, on va quand même revoir les plus beaux buts de cette première mi-temps avec Audrey Sababadi qui s'était signalée notamment en début de match, mais également cette numéro 4 mahoraise qui a été très percutante. Encore une fois, Audrey Sababadi, malgré une emplâtre sur la jambe, eh bien, l'ailière réunionnaise a été très, très efficace dans cette première mi-temps. Laetitia Brunet, la fusée réunionnaise, on l'a vu plus d'une fois conclure les contre-attaques réunionnaises. Et après les 30 premières minutes de jeu, eh bien justement la meilleure marqueuse côté Réunion, eh bien c'est Laetitia Brunet avec 4 buts. Audrey Sababadi, Léa Nanika Houdin et Séverine Dijon en sont à 3 buts. Et oui, on vous disait, hein, ces finales se jouent à guichet fermé. Bon, il faut dire que les 1000 et quelques 100 places du gymnase Daniel Narcisse ont vite été prises d'assaut. Car on connaît l'amour des Réunionnais et des Réunionnaises pour cette activité, ce sport qu'est le handball.
car au plus haut niveau, c'est quand même le sport qui représente le mieux la Réunion, avec notamment les illustres champions que sont Daniel Narcisse, Patrick Casal, Jackson Richardson, Leila Lejeune en parlait. On va citer également Nathalie Selembarom, Sonia Sandier, hein, qui ont porté haut l'étendard à Réunion, notamment au sein des différentes équipes de France. Hein. Ben c'est sûr que ces jeunes qui sont partis tôt, à 18 ans, qui ont fait une carrière exceptionnelle, donnent envie de plus en plus à nos handballeurs, handballeuses, de tenter leur chance au niveau de la métropole. Alors que l'on revoit les meilleurs moments et les plus beaux buts de cette première mi-temps, avec là l'Insee Livramaté qui s'arrache, ou encore là. Bonne première mi-temps en tout cas, bonne première mi-temps, riche en buts, voilà. Très bonnes intentions. Allez, maintenant il faudrait peut-être mettre d'un côté comme de l'autre un petit peu plus de rigueur dans les phases défensives notamment. Exactement, les gardiens ils font leur job, même si pour la gardien mahorais c'est pas facile parce que c'est beaucoup de tirs aussi mettre. Et non, c'est une première mi-temps comme on s'y attendait, avec des belles actions. Voilà. Hein. Et les supporters maorais, hein, qui sont contents de cette belle fête qu'offre la finale de handball féminin, les Réunionnais également. Alors, on vous rappelle que, eh bien, juste après cette finale féminine, vous pourrez également suivre en direct sur Réunion Première la finale masculine qui va encore une fois opposer la Réunion à Mayotte. Johnny, un match prévu à 20h30. Pascal. Eh bien, je suis avec la gardienne de la Réunion qui a fait une très très belle partie en première période. Votre sentiment, Valérie Delors, plus 7 à la mi-temps. Comment vous sentez les choses? Pour l'instant, rien n'est joué, hein, mais on est sur la bonne lancée, on a eu du mal à rentrer dedans, mais là, en défensivement, on commence à être performante, elle commence à perdre beaucoup de balles, donc on est sur la bonne lancée, je vais dire. Vous restez concentré pour cette deuxième période et vous pensez que la médaille d'or sera au bout? Exactement, c'est ça l'objectif, donc je ne vois pas pourquoi on va se priver de cette médaille. Merci. Les trois gardiennes qui sont actuellement en train de s'échauffer, bien évidemment. Merci, Pascal. Allez, en attendant le retour donc des actrices de cette finale, eh bien, on voit les Réunionnaises là, qui se présentent en première sur le terrain, après avoir certainement donné les consignes pour la suite. On voit Christian Mtima, l'adjoint de Vincent Ouaro, discuter longuement avec Aline Ducap. Allez, si, peut-être à voir, mon cher Pascal. Là, on voit Léla Lejeune, peut-être un petit mot avec Léla rapidement, on sait jamais. Allez, Pascal Talamé avec Léla. Oui, avec Léla Lejeune, la capitaine. Alors, la capitaine de la Réunion, Léla, premier mi-temps sérieux, on va dire, plus 7, confiante pour la suite, même si, allez, défensivement, il y a déjà le revoir. Ouais, on a pris un petit peu la mesure des Mahoraises, mais c'est vrai qu'on a mis un petit peu de temps à rentrer dans le match. Mais on va essayer de pousser en deuxième mi-temps pour donner un peu de spectacle. Elles nous surprennent, certes, parce qu'elles ont de bonnes jambes, hein, de bons 1 contre 1. Mais bon, après, si techniquement, elles ne savent pas sentir les balles derrière... En tout cas, la confiance est là toujours. Oui, il y a un bon public, donc il y a de quoi faire du beau jeu. Merci à la capitaine. Merci, Leila Lejeune, au micro de Pascal Taïla. Mais elle nous impressionne quand même. Elles nous ont dit que Leila a dit que ces Mahoraises les impressionnent quand même. Par rapport à ce qu'on avait dit, à ce qu'elles attendaient, voilà, l'anniversaire quand même à ça, suivre et surtout à prendre au sérieux. À prendre au sérieux, voilà. Voilà, non, mais c'est intéressant. Dans le sens où ces réactions sont logiques par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Hein. Si on le défend, si on n'est pas sur ses appuis, ben, on aura tendance à prendre, comme tu dis, hein, des vents. Et donc, je pense que Vincent les a mobilisés sur ces aspects techniques en défense. Les Réunionnaises sont là et les Mahoraises arrivent. L'entraîneur Mahoré en compagnie de Pascal Taïlamé. Oui, avec le coach de Mayotte. Alors, coach, quel a été votre message à la mi-temps? Moins 7 pour votre équipe. C'est pour ne pas perdre de ballon bêtement en attaque, parce qu'on sait, avec le montée de balle rapide que les Réunions nous imposent, donc il faut vraiment gérer le temps, gérer le ballon, les titiller, chaque fois. On a un joueur
qui est capable à passer partie centrale au niveau des tailles. Donc du coup, on les pousse à faire de 2 minutes. Il faut insister là-dessus et ne pas perdre vite fait le ballon. Merci, coach. Voilà, on l'a compris. Trop de pertes de balles constatées par l'entraîneur Mahoré à rectifier donc pour essayer de, eh bien, de recoller un peu à ces réunionnaises. Les actrices sont revenues sur le terrain. On voit Léa Nanikaoudé en grande discussion avec l'INSEE Livavate. Les Mahoraises sont en place à leur tour. Les arbitres malgaches sont là. Allez. Et on va repartir dans cette deuxième mi-temps. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Réunion Première, eh bien, sachez que vous êtes en plein dans la finale du tournoi de handball masculin qui oppose donc la Réunion en blanc à Mayotte, et qu'après les 30 premières minutes de jeu, eh bien la Réunion mène 18 à 11 et c'est un moindre mal, le Fred Valermé, notre consultant. Ben, ils ont été très sérieuses. Elles ont mis les ballons au moment où il faut dans les buts. 18 buts sur une mi-temps, ça peut prédire d'une fin de match qui peut arriver à un score de 40 buts. Mais bon, ça c'est les mathématiques. Le handball, c'est autre chose. Mais 7 buts d'écart à la mi-temps, je pense que nos filles ont fait des bons rails. Voilà, mon langue la fouache un petit peu, mais bon, on est bien dans la finale féminine. Donc. Oui, mais ça, on l'avait bien compris. Allez, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps avec la Réunion. Et Léa Nanikaoudé qui décale Marina Megarus. Là encore, bien fait, décalage bien trouvé. Et but. Voilà. C'est simple et efficace. Le handball, c'est un sport très simple. On fait venir le défenseur, si ça ne vient pas, on tire, si ça vient, on décale. Allez, un but d'entrée de cette seconde mi-temps et Mayotte avec Saint-Doux, la capitaine Amadi pour Issa, la gauchère là, qui se reprend bien. Allez, la deuxième tentative et encore une fois la numéro 4 là, qui est entrée comme dans du beurre dans cette défense réunionnaise. Ah, il faut resserrer les liens, hein, il faut resserrer derrière. Ça fait 10 fois qu'elle fait la même feinte. C'est vrai. Et à noter que on n'est pas attentif à tout ça. Et on l'a vu sur cette action, côté réunionnais, eh bien, Brigitte Lesprit a remplacé Valérie Delors dans les buts réunionnais. Elle mérite surtout de participer à cette finale, hein, pour sa carrière, pour son investissement dans le handball féminin à la Réunion. Et ce soir, je pense qu'on va nous prouver que ce qu'on attend beaucoup d'elle. Voilà, vous parlez bien sûr de Brigitte Lesprit, l'une des plus expérimentées de cette sélection de La Réunion et qui, malgré son bel âge, eh bien, reste quand même l'une des meilleures gardiennes de but de La Réunion, avec Anaïs Brandon qui se lève et arrêt de la gardienne mahoraise. Et à la réception, il y a une coéquipière mahoraise qui a fait un marché. Léla Lejeune qui temporise avec l'INSEE Livavate. Voilà, c'est trop petit, c'est joué trop court là. La relation, trop court. Allez, on va remettre un peu de. On peut prendre un peu d'espace. Voilà. L'espace, mettre de l'ordre et repartir. Bien écarté le jeu. L'INSEE au 9 mètres, mais c'est un tir qui est facilement capté par la gardienne mahoraise. Voilà, un tir peut-être pris un peu trop tôt par. L'INSEE Livavate, c'est d'ailleurs ce qu'est en train de nous dire Vincent Varou. On prend son temps. Issa pour Mayotte, Amadi, Saint-Doux, Amadi là, c'est tout en puissance également et défense en zone de l'INSEE Livavate. En tout cas, c'est un pénalty qui est très très bien provoqué par la capitaine Mahoraise. Et puis, bon, on les aide un petit peu dans le sens où on n'a personne qui sort sur la porteuse de balle, on n'a même pas un pas vers l'avant, ce qui fait que ben, quand on vient, on veut défendre, on est aussi maître et obligatoirement, ben, on fait des fautes. Et ça fait but pour Mayotte qui 13e but pour les Mahoraises maintenant, 19 à 13 dans cette deuxième mi-temps de la finale féminine. Voilà, elle était bien partie du bon côté malheureusement. Et encore une fois, là c'est. Allez, c'est l'INSEE Livavate qui se rachète un peu d'avoir provoqué ce pénalty, qui s'est arraché là pour marquer, inscrire le 20e but réunionnais. C'est l'INSEE qu'on aime voir sur le terrain.
parce qu'elle a beaucoup de classe et aussi beaucoup de puissance. C'est une joueuse Johnny. Très intéressante. Oui, Pascal. Et Leila Lejeune qui commence à parler à l'arbitre, commandant deux minutes là, puisque a priori elle aurait pris le bras de son partenaire. Elle commence un petit peu, justement, Leila, à discuter à chaque fois avec l'arbitre pour lui signifier des choses. Hein. L'expérience, on va dire. Oui, mais il faudra qu'elle fasse quand même attention, hein, parce que il y a M. Garcia qui est là, et les arbitres, ils ont envie de ne pas rater leur finale. Hélière à Hélière, après le tir stoppé de Laetitia Brunet, bien derrière, c'est Marinelle Mégarus qui s'était retrouvée à point nommé pour inscrire un nouveau but pour la sélection de La Réunion. Elle a tiré trop vite, elle aurait dû prendre un petit peu plus de temps pour placer son ballon. Empêche d'avoir le ballon, empêche d'avoir le ballon. Le 21e but pour La Réunion, alors que le score indique 20 toujours. Le but de Marinelle Mégarus a été accepté. Non, refusé donc. Non. Elle a loupé son tir. Elle a loupé son tir, autant pour moi. Donc on en reste toujours à 20 à 13 pour. C'est exactement comme ça. C'est pas grave. On va la récupérer. C'est bien. Et c'est la voix de Vincent Warreau, l'entraîneur réunionnais, que vous entendez. On va la récupérer. Et elles ne l'ont pas complètement récupérée. Attention, Brigitte Lesprit avait déserté ses buts. En tout cas, il y a pas mal de tension sur le banc réunionnais. Eh ben Vincent, il vit son match. Hein, il vit son match. Bon. Il est dedans, il est en plein dedans. Johnny. Oui, Pascal. Oui, vous dire également que sur le banc, effectivement, ça commence un petit peu à s'échauffer, mais également sur le terrain. Il faut vous dire que là, la température est montée d'un cran. Et à l'initiative, Leila Lejeune, qui ne cesse de discuter, c'est surprenant d'ailleurs. Bon, elle est dans son rôle de capitaine, mais attention, ne pas trop insister. Et l'autre capitaine, elle ne parle pas beaucoup, mais elle agit plutôt efficacement. La numéro 2, Amadou Abdila. Et après ce but encaissé, eh bien. Oula, tir de Leila Lejeune qui a été stoppé sec, comme on dit, par la gardienne mahoraise. Une pastis, on appelle ça, dans le milieu du handball. Et nouveau changement de gardienne côté réunionnais, puisque Bougie de l'Esprit. Garde, ballon! A été remplacée maintenant par Mademoiselle Smith. Marie-Claire de son prénom. Letty, ta joueuse est où? Letty, ta joueuse est où, Letty? Coup franc pour Mayotte avec Issa Amadi. Voilà, et visiblement ça se frictionne pas mal. Voilà, ça se frictionne pas mal sur la ligne de zone et l'arbitre malgache. Pas de préférence. Exclusion pour Nani Kaouda et une autre joueuse mahoraise en l'occurrence. On savait un petit peu qu'on allait arriver à ce stade, hein, parce que ça a commencé il y a 5 minutes. Et on a vu la petite Amou en train de se prendre la tête avec Leila, puis avec Léa, ce qui montre bien. Et c'est encore très bien joué ça. Encore une fois, les Mahoraises trouvent la faille sur les ailes. Et sans problème, Anzilati Bouanedi vient marquer le 15e but pour Mayotte. Le score maintenant est de 20 à 15. 5 buts d'écart en faveur toujours des Réunionnaises. Aline Selima Maté là qui est bien stoppée par la défense mahoraise. Au passage, un petit carton pour. La numéro 9 mahoraise, mais c'est quand même une action bien avortée, une attaque réunionnaise bien avortée. Allez, ça repart avec Anaïs Brandon, Lynn Sélivavaté pour la Réunion. Et là le jeune, Aline Ducap là qui tente le 1 contre 1 et en même temps Kung Fu là encore s'est forcé. Le ballon n'est pas perdu pour les Réunionnaises avec Leila Lejeune. Laetitia Brunet là qui est un peu poussée carrément, mais le but est accepté. Ce fut dur, mais c'est une action qui se termine très bien pour les Réunionnaises. Ah oui, c'est vraiment très 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 forcé. Hein. Exactement.
Voilà un but dans un style assez spectaculaire, en perte d'équilibre. Laetitia Bounier parvient quand même à marquer. Et au passage, une Mahoraise a été exclue temporairement. Du coup, Mia Mayotte se retrouve en infériorité numérique. Pour l'instant, c'est du 4 Mahoraises contre 5 Réunionnaises sur le terrain. Le jeu s'est un peu durci. Les arbitres ont commencé à sanctionner. Marie-Claire Smith loin devant, trop loin là pour. Je ne peux pas, on est à 5-34, on a tout de notre 30. Voilà, c'est un peu enflammé. Le ballon, bien sûr. Et c'est un peu enflammé. Oui, elle a voulu bien faire. Mais bon, c'est pas le moment. Il faut qu'on reste dans notre projet de jeu. Et que surtout, on interdit aux Mahoraises de croire qu'elles peuvent gagner ce match. C'est tout, hein. Ce qu'il y a à faire. Voilà, très bonne initiative de. Un bel arrêt du visage de Marie-Claire Smith sur l'attaque de la capitaine Mahoraise et sur la contre-attaque. Laetitia Brunet, elle continue son récital. Voilà, Leïla a très bien joué le coup. Hein. Elle a monté tranquillement le ballon en fixant les défenseurs adverses pour lâcher un caviar à Laetitia. Ça, c'est des actions qu'on aime bien parce que c'est réfléchi, c'est analysé. Très, très efficace, Laetitia Brunet qui devient avec ce but la meilleure marqueuse du match avec 6 buts. Pour elle, et option de prise en strict côté réunionnais, puisque Vincent Warreau, l'entraîneur, a demandé à Aline Ducap d'aller serrer de près. Et encore un bel arrêt de Marie-Claire Smith, là, qui est entrée de plein pied dans sa finale. Et là, le jeune avec Léa et de l'intervention de la défense mahoraise et contre-attaque maintenant. Ah, dommage. C'est dommage parce que c'était. Une balle bien récupérée qui aurait pu se terminer par une meilleure un meilleur sort. Et encore une très belle relation entre Leïla Lejeune et Léa Nani Kaouda qui marque voilà. Pour la réunion. C'est simple, ça paraît simple, mais c'est tellement difficile à réaliser. Il faut que la passe arrive dans le bon timing et que Léa elle puisse prendre le ballon, se retourner et gagner son duel. Et toujours cette prise en individuel de la ligne du Cap là sur Issa maintenant. Voilà, elle revient en défense. Allez, on se replace, crie Vincent Waro. Attention quand même à cette attaque. Voilà, passage en force Maoré, mais derrière Marie-Claire Smith a bien assuré le coup. Voilà, nos défenseurs sont restés face à la porteuse de balle. Et ce qui l'a incité à aller faire un passage en force. Et on entend les supporters réunionnais dans les gradins avec Lindsay Livavate qui cherchait sa pivot. Mais bon, elle a gardé le ballon avec Léla Lejeune maintenant. Anaïs Brandon sur le côté pour Laetitia Brunet. Laetitia Brunet là qui va encore. Là. Il fallait lâcher le ballon peut-être. Elle a fait le boulot, il faut qu'elle lâche le ballon. Allez, Laetitia, fixe là. Pas voilà. De vouloir, en tout cas. Ah, pas du tout. Anaïs Brandon qui tente sa chance à 9 mètres. Voilà. Là, le travail de Laetitia est intéressant parce qu'elle a fixé le défenseur et elle a lâché un ballon dans les meilleures conditions pour Anaïs. Et c'est le premier but d'Anaël Brandon. Anaël Brandon, donc. Anaïs, elle est à l'aile de l'autre côté. Anaïs Simonin. Et Anaël Brandon qui vient d'ouvrir son compteur but. Son compteur but. Et le score est maintenant de 24 à 15 pour les Réunionnaises. Amada là qui pénètre encore tout en vivacité. Encore un arrêt de Claire Smith. Et derrière, Aline Ducap corse l'addition pour les Réunionnaises. Et le déclic, le catalyseur, et c'est bien Marie-Claire Smith. Hein. Elle est entrée. C'est aussi la force de cette équipe. Hein. On a trois gardiennes avec des comportements différents. Mais au niveau de l'efficacité, ça a déjà été prouvé par le passé. Hein. Quand on voit dans le championnat féminin le rôle qu'elles jouent dans leur équipe, ça montre bien que
on a fait le bon choix au niveau des sélectionneurs. Et là, elle y était presque, mais la capitaine Mahorez, avec tout en puissance, la parvient à inscrire le 16e but Mahorez de la finale. C'est Leïla Lejeune. Elle nous a promu du spectacle, ça commence bien. Hein. Et oui, Leïla Lejeune dans toute sa splendeur. Superbe lobe sur la gardienne Mahorez. Le troisième but de la capitaine réunionnaise. Et le 26e pour la Réunion. Allez, il faut resserrer la défense là. Et encore un arrêt de Marie-Claire Schmitt qui nous fait une rentrée assez époustouflante. Et là, le décalage est parfait. Et encore un arrêt de Marie-Claire Schmitt, décidément. Allez, calmement, on joue. On regarde ce qui se passe devant. Et Leïla Lejeune pour un deuxième lobe d'affilée. Voilà, ça paraît simple, mais bon, c'est des années de travail, tout ça. Exactement, exactement. Bon, il y a le coach Maoré qui a, je pense, a bien fait de poser son tambour pour essayer de casser cette dynamique réunionnaise. Et la Réunion qui vient de creuser l'écart sur ces dernières minutes. Le score 27 à 16 désormais. Le ballon arrive. Au moins, très vite, parce qu'on ne fait pas de centrale. On est obligé d'aller la créer. On donne la chance à nos gardiens. On travaille pas de centrale, les filles. En attaque, les deux d'abord, on gère. On place les deux pivots. Là, on a des espaces. Pourquoi vous voulez précipiter? Il y a quelque chose qui se passe. Bon, on arrive à le faire. Servez-vous. Et puis je rajoute. Allez les filles, allez, allez. Le petit que nous manquons. Et ballon, regardez où est-ce que vous voulez tirer pour que ça marche en même temps. Ok. Et allez, 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 allez. Voilà, un peu dépassé peut-être sur ces dernières minutes là, un peu prise de vitesse les Mahorez, mais on l'a bien entendu, on l'a bien compris Fred Valère, mais pas décidé ces Mahorez, eh bien, à lâcher le morceau, à lâcher prise dans cette finale. Ben, elles ont voulu jouer à un moment donné un peu trop vite, hein. Au lieu d'essayer d'amener les Réunionnaises dans des situations où elles sont isolées, pour jouer sur leurs forces qu'on a vu pendant tout le match, hein. C'est des 1 contre 1 intéressants, et ça il faut le préparer, et c'est ce que leur a demandé le coach. Quoi. Voilà les Mahorez qu'on retrouve en attaque avec la numéro 7, et maintenant la capitaine Amadi pour... La grande gauchère, il y a intervention, interception d'Aline Ducap. Alors on va se calmer peut-être, non, on a quand même lancé loin devant pour Anaïs Simonin. Allez, on va calmer tout ça, Leïla Lejeune. Et préparer une nouvelle attaque, tranquillement mais sûrement. Voilà. Avec Audrey Sababadi qui est revenu en jeu maintenant. Anaïs Brandon, Aline Ducap. Et oh, superbe contre un, mais derrière la gardienne Mahorez. Elle a mis tellement de cœur dans son manque contraint qu'elle n'a pas pris le temps d'ajuster son tir. Voilà, bel arrêt de la gardienne. Et bien sûr, il y a un très bel arrêt de la gardienne. Attention, voilà, normalement, il y a reprise de dribble, mais l'arbitre malgache n'a absolument rien vu. Du coup, eh bien, la petite capitaine Mahorez, là, qui encore une fois... Elle est terrible, cette petite capitaine de Mahorez. C'est vraiment l'une des meilleures de son équipe. Oui, Pascal. Juste vous dire que l'équipe masculine de Mayotte, qui jouera la finale contre les garçons, eh bien, ils sont derrière le but Mahorez, tous ensemble. Ils sont en train d'encourager les filles Mahorez. Oui, elles en ont bien besoin actuellement, parce qu'elles ont perdu un petit peu pied là, ces dernières 5 minutes. Et là, bon, ils ont une occasion de bien revenir dans le match. Et elle ne s'en prive pas. Oh, but refusé. Simplement le pied a bougé sur... Alors, est-ce qu'on va la retirer ce... Ah non, 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 il y a faute de pied. Faute de pied. Alors, voilà, expliquez-nous, mon cher Fred. Ben, on doit, c'est comme une zone. On ne doit pas la dépasser quand on fait le jeu de 7 mètres. Et comme la joueuse, elle a dépassé avec son pied, c'est comme si elle a fait une zone. Tout simplement. Voilà. Les arbitres malgaches, eh bien, ont tout vu. Ah oui, ils sont attentifs. Même si c'est des fautes insignifiantes, ça fait partie du règlement.
Oula, attention, attention à la chute. Raël Brandon là, est allé à la renverse, mais ce sera, allez, ce sera une faute pour ballon pour les Mahoraises. Alors on va revoir là si le pied bouge véritablement. Voilà, on voit bien, hein. On voit bien. Ah, effectivement. On voit bien, voilà. Le pied a débordé de cette petite ligne jaune. On dirait la loupe de Canal Plus. Oh là là, RFO, hein. Rayon première, allons, rayon première. Oui, pardon. Attention à cette attaque Mahoraise, encore un arrêt de Marie-Claire Smith, mais elle ne lâche pas le morceau, les Mahoraises, encore un arrêt. Elle est exceptionnelle actuellement. Elle est vraiment, vraiment dans son match, Marie-Claire Smith. Oh là là, attention, ce choc là entre Anaël Brandon et la capitaine de Mahoraise. Et Mayotte en contre-attaque. Oh là là. C'est elle qui fait le spectacle. Et là, ça n'arrête pas, ça va d'un camp à l'autre. Et Marie-Claire Smith, elle est tout simplement exceptionnelle. Deux arrêts d'affilée sur deux attaques consécutives des Mahoraises. Ce qui a engendré cette contre-attaque et ce but de... Oui, elle, bien, on la voit, elle est vraiment efficace dans ce qu'elle entreprend. Elle joue avec très peu de gestes inutiles. Elle se place, bon, elle est quand même, elle a des segments vraiment très, très grands, on dira. Hein, elle prend de la place dans le but. Et puis, elle est courageuse. Ah non, vraiment. Hein. Ah, attention, c'est passé là. Et ce sera, le but ne sera pas validé, mais il y aura un jet de 7 mètres pour Mayotte. Voilà, et très amicalement, Claudette Robert est venue relever. Oui, c'est dans un très bon état d'esprit. Hein, le match, il y en a quand même quelques-unes qui jouent à La Réunion ou qui vont jouer à La Réunion. Allez, changement de gardien pour ce jet de 7 mètres. C'est Valérie Delors qui revient dans les buts réunionnais. Face à elle, donc la numéro 4. Yasmina Saindou. Si elle fait l'arrêt, elle tue le Mahoraise. Ah. Très beau tir, hein, bien dans le petit filet, comme on dirait au football. Voilà, pénalty bien exécuté, pénalty bien exécuté donc par Saindou. Le score 28 à 17, toujours en faveur de La Réunion. À quelques 12 minutes de la fin de cette finale féminine maintenant. Claudette Robert, Anaël Brandon, 9 mètres qui s'élève, qui décale pour son ailier. Audrey Sababadi. Bon, elle n'a pas reçu le ballon dans de très bonnes conditions, pardon. Johnny ? Oui, Pascal. Oui, c'est plus 5 minutes quand même que Vincent Barreau a son petit carton vert en main. Il va pas tarder, je pense, à déposer son temps mort technique. Il hésite encore, mais ça va pas tarder. Et la capitaine Mahoraise, encore une fois, qui s'arrache là. Préparez la table. Petite par la taille peut-être, mais quel tempérament, quelle volonté, hein, cette âme a dit là. Attention Claudette Robert avec Leïla Lejeune, Anaïs Simonin. Lejeune pour Séverine Dijoux là qui est entrée. Rien, précise l'arbitre malgache. Ce qui a eu pour effet de soulever un peu le mécontentement des supporters réunionnais. Voilà, petite remontrance quand même. Et voilà. Intransigeants les arbitres malgaches. Exclusion temporaire pour Anaël. Séverine Dijoux, pardon. Qui a eu le malheur de montrer peut-être son mécontentement, un certain agacement, estimant qu'il y avait faute. Ils restent dans leur logique. Ils ont arbitré comme ça tout le match avec des points positifs et bien sûr des points. Alors, c'est une nouvelle faute pour les Mahoraises. C'est la capitaine. Passage en France également. Oui, ça aurait pu, mais apparemment, c'est pas ce qu'ils ont sifflé. Et oui, c'est toujours selon l'appréciation des arbitres. Et là, les arbitres malgaches ont estimé qu'il y avait faute réunionnaise. Et cela va profiter aux Mahoraises. Plus de peur que de mal pour la tonique capitaine de Mayotte.
n'a pas eu peur d'aller prendre cet intervalle. Ah non, absolument. C'est... Absolument pas. Elle n'a pas du tout peur. Cette elle donne vraiment l'exemple. Regardez encore une fois la preuve qu'elle n'a pas peur. Et elle continue à perforer cette défense réunionnaise. Claudette Robert avec le jeune. Il y a eu un marché. Ah ben oui, je me disais bien qu'il y avait marché. Hein. Bon, du coup, ça devient un peu décousu pour le spectacle. C'est pas toujours agréable. Allez, il faut remettre un peu d'ordre dans tout ça. Attention, sorti loin là, de sa ligne de défense, la ligne du cap. Je ne voudrais plus lui écouter encore une fois un décalage. Quoi. Allez, ce tir bien détourné par Marie-Claire. Marie-Claire Smith qui nous fait vraiment une bonne deuxième mi-temps. Une très bonne même deuxième mi-temps. Et bien sûr, ce match, eh bien, toute la réunion, cette finale, toute la réunion l'a su bien sûr, ceux et celles qui n'ont pas pu avoir de place pour cette finale, eh bien, suivent cette finale en direct sur Réunion Première. Eh bien, les téléspectateurs de la Réunion, mais également de tout l'océan Indien, de Mayotte également. Tous les Mahorais eh bien, qui sont super contents de voir leur équipe en finale de ce tournoi de handball, alors que Anaël Brandon vient d'inscrire un nouveau but pour. Elle se met à jouer comme les Mahorais en 1-1, c'est très bien. Et c'était joli à voir en plus. Allez, la Réunion de nouveau à 6, puisque Séverine Dijoux a purgé. Sa peine, elle est revenue sur le terrain. Et on retrouve Mayotte en position d'attaque avec la capitaine, la passe n'était pas très très bonne. Saindoux qui va décaler son ailière. Encore un arrêt de Marie-Claire Smith, décidément la gardienne réunionnaise. Elle est infranchissable. Infranchissable en ce moment. C'est sûr que c'est... Claudette Robert pour Séverine Dijoux qui s'est arrachée, retenue par... retenue par une Mahoraise sera. Alors ce sera un jet de 7 mètres. Non, ce sera une faute réunionnaise. Voilà. Ça aussi, ce n'est pas trop du goût des supporters réunionnais. Oui. Mais l'arbitre malgache estimait qu'il y avait peut-être pied en zone de la joueuse réunionnaise. Bon, actuellement, ils ont une baisse de concentration, on va dire ça. Mais bon, c'est tout actuellement depuis le début du match, ils ont fait leur job. Hein. Non, il n'y a vraiment pas de retire. Hein. Bien sûr. Alors entre-temps, il y a une autre exclusion temporaire. Et c'est Leïla Lejeune qui vient de se faire exclure du terrain pour 2 minutes. Et Vincent Waro pose son carton vert. Ce sera temps mort. Donc, alors on va revoir l'action qui a valu. Alors elle contourne bien son vis-à-vis. Regarde, attends. Ah, c'est vrai qu'il est à pied en zone de Séverine Dijoux. Mais oui, mais joli. Au préalable. Il y a quand même au préalable un saturage énorme. Le saturage donc de la joueuse. Même pas une toute décrétition de l'arbitrage, d'accord. Allez, on est tout le jeu jusqu'au bout avec CAE et application. Le repli toujours. Par contre, ne vous étonnez pas si vous faites arracher les bras derrière la main. Et qu'il n'y a rien. Ne criez pas de l'arbitre, ils ne font pas plus qu'ils font. Ok. Faites le maximum, on est à 5. On fait un jeu, on joue en décentralisation avec les niveaux à l'intérieur. D'accord ? Et c'est pour terminer, après on changera. On fera toi des. Allez, bon. Allez, ça va. Eh oui, du sérieux, de l'application et surtout Vincent Waro qui demande à ses filles de soigner le repli défensif. Et surtout de ne pas de se concentrer sur le jeu et de ne pas remettre en cause à chaque fois les décisions arbitrales. Voilà, éviter d'aller aussi à l'abordage, là, comme on a vu sur certaines actions. Exactement. Allez, on va replacer tout ça. On mène de 12 buts, on a le temps. On continue à enfoncer le clou. Hein. Et Claudette Robert qui s'enfonce, ouais. Elle, dans la défense mahoraise, mais la gardienne mahoraise a fait un très bel arrêt. Saindoux, encore un arrêt de Marie-Claire Smith. Et de 2. Eh oui, décidément. Avec en plus une belle relance. Elle arrête tout et puis sur la contre-attaque, eh bien, Anaël Brandon marque pour la Réunion, décidément.
Elle aura été dans tous les bons coups dans cette deuxième mi-temps, dans tous les bons coups. Marie-Claire Smith, la troisième gardienne de cette sélection de La Réunion. En tout cas, on va rappeler aux gens qui nous rejoignent qu'au départ, eh bien, il était prévu deux gardiennes dans la sélection de La Réunion, deux gardiennes sur la feuille de match. Mais il s'est avéré qu'une joueuse de la sélection Réunion avait oublié sa tenue. Eh bien, cela a profité à une troisième gardienne. Et puis, voilà comme quoi, des fois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On ne connaissait pas cette gardienne à ce niveau. Ben, elle a prouvé qu'elle avait rien envie à ses collègues. Et ce soir, elle joue un rôle prépondérant dans le futur sport et la future victoire de l'équipe de La Réunion. Et dans le succès actuel de la sélection de La Réunion, les Mahoraises visiblement n'y sont plus. Mauvaise passe interceptée par Claudette Robert qui va décaler tranquillement pour Aline Ducap. Voilà, ça joue un peu. C'est un peu du handball champagne en ce moment, mais pas dans le bon sens du terme. Hein. Bon. Sans conséquence, on rappelle le score 30 à 17 pour la sélection de La Réunion à maintenant un peu moins de 6 minutes de la fin du temps réglementaire. La Réunion donc qui file droit vers une victoire dans ce tournoi de handball féminin. Allez, la capitaine et tire de Saint-Doux, c'est très bien fait ça. C'est ce qu'on appelle un tir à l'amble. C'est difficile à réaliser, mais c'est vraiment parfait sur ce coup-là. Voilà, et cette Yasmina Saint-Doux se révèle être l'une des meilleures joueuses de Mayotte avec la capitaine Amadi. Elle en est d'ailleurs maintenant à 6 buts pour son compte personnel. Alors, il y a passage en zone et Mayotte pourra relancer une nouvelle attaque et tenter de réduire un peu plus l'écart avec son adversaire Mahorez. Changement de gardien pour entre-temps du côté Mahorez. Voilà, entrée très énergique en tout cas de la deuxième gardienne et entre-temps, eh bien, il y a but pour Mayotte. Toujours inscrite par Yasmina Saint-Doux. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de défense, hein, on va dire ça. Hein. On recule. Ben... Une bonne tentative de Kung Fu là. Et justement, la nouvelle gardienne Mahorez s'est interposée avec force et vigueur pour éviter le but d'Anaël Brandon. 30 à 19, 11 buts d'écart pour l'instant entre La Réunion et Mayotte. Et cela à 4 minutes de la fin de cette finale féminine. Bien engagé pour La Réunion. Nouvel arrêt de Marie-Claire Smith. Mais au passage avec une faute de Séverine Dijoux sur la tireuse Mahorez. Et ça repart avec Saint-Doux. Saint-Doux pour Amad. Saint-Doux là, qui tente de la jouer trop perso là peut-être. Et elle est tombée sur Leila Lejeune. Amadi avec Saint-Doux. Amadi bien défendu par Odine Selivavate. Ah dommage, une tentative de Leila pour récupérer la balle. Mais elle a mal. Et Saint-Doux qui bute encore une fois sur. Oh attention, attention, il faut récupérer d'abord le ballon avant de partir. Voilà, ça c'est pas mal fait. Et bien perdu également par Séverine Dijoux. C'est le 31e but de Réunionnais. À 3 minutes de la fin, eh bien, on ne voit pas trop ce qui pourrait empêcher La Réunion de décrocher la médaille d'or dans ce tournoi féminin. Johnny. Oui, Pascal. Et Vincent Barreau qui demande à faire tourner. Je pense qu'à faire tourner son effectif et que tout le monde va participer à la fête. La contre-attaque d'Aline Ducap et but. Voilà, ça déroule côté Réunionnais en cette fin de match. Et comme vous le disiez, mon cher Pascal, tout le monde va participer à la fête et à la victoire. Voilà, temps mort demandé par l'entraîneur Mahoré. La cause semble être entendue.
Mais bon, il faut batailler jusqu'à la fin. Et les dernières minutes seront très très dures, Johnny, pour les Mahoraises. Johnny, de toute manière, on fête déjà la victoire sur le banc réunionnais, même si on est à 3-4 minutes de la fin de ce match. On croit déjà, il y a des sourires partout sur le banc réunionnais. On sait que maintenant que la victoire est là. Allez, on va écouter l'entraîneur Mahorais. Elle monte Yasmina, il fait jouer sur le droit, donc sois vigilant sur les passes. Soit elle monte pas, il y a Yasmina qui se libère à jouer avec Titi. Les arrières, ne vous pas, cachez pas derrière. Dès qu'elle ne va pas bien chercher le ballon, on a plus tendance à se cacher. On a compris. En défense, oh, en défense, appliquez-vous en flotte par rapport au ballon. Les tirs, il faut que ça tire à l'aile, pas partie centrale. On a compris. Allez-y. Voilà, jusqu'au bout on y va. C'est le credo de cette fin de match côté Mahorais. Même si l'écart est conséquent au tableau d'affichage, les Mahoraises vont aller jusqu'au bout de cette bataille. Certes, inégale sur le papier et au score également, mais jusqu'au bout. Johnny. Oui, Pascal. Juste pour dire que les garçons réunionnais sont mécontents, hein, parce qu'on leur a demandé de partir, de sortir de l'aire de jeu, alors qu'ils voulaient assister à la fin de ce match et à la victoire des filles. On leur a demandé seulement de sortir du gymnase parce que ça gênait visiblement. Ils sont fort mécontents, nos joueurs réunionnais. Allez, nous on reste dans cette finale féminine, la fin de cette finale féminine avec Saint-Doux qui perd fort encore une fois la défense réunionnaise. Il va avoir 2 minutes là, je pense. Et oui, voilà. Pour Léa Nanikaoudin. Qui a mis son pied un petit peu malheureusement. Et plus d'une fois, eh bien, on a vu, hein, Yasmina Saint-Doux, cette numéro 4, eh bien, a pris la défense réunionnaise de vitesse. Plus d'une fois, la prise en défaut. Et la numéro 2, la capitaine également. Très vive. Voilà, et puis là, l'arbitre malgache se fait un peu plaisir. Deuxième exclusion d'affilée. Cette fois-ci pour Anaïs Simonin. On a trouvé ça un peu injuste côté réunionnais. Mais bon, allez. Il reste 1 minute 30 dans cette finale. Les Réunionnaises sont désormais à 4. Mais elles continuent à bien défendre à l'image de Lindsay Vavaté et de Marinelle Mégarus. Encore un arrêt là. Et elles défendent bec et ongle. Même à 4, elles défendent bec et ongle leur avance. Oh, elles ont un comportement vraiment exemplaire. Hein. Elles restent sérieuses. Et elles récupèrent le ballon. Alors on peut être calmé là, peut-être. Ah non, non. Là encore une fois. Et la belle image sur le banc réunionnais. Elles sont debout sur le banc. Debout sur le banc. On va demander à Patrick Minervois, notre réalisateur, si elle pouvait avoir cette formidable image. Et debout sur le banc en train d'applaudir les leurs. Voilà, et au passage, un pénalty, jet de 7 mètres donc pour la Réunion. Et c'est Leïla qui je pense va terminer cette action. Voilà. Oui. Nouveau but de Leïla Lejeune, son 5e personnel pour le 33e but. 33e but. Regardez, on les voit là derrière, les joueuses de la sélection de la Réunion sur ce plan large. Allez, l'une dernière action, ce tir et but de Yasmina Saint-Doux. Et la victoire finale, la joie des Réunionnaises sur le terrain, voilà. Victoire donc des Réunionnaises, 33-20. On va rester, monsieur Pascal, sur la joie quand même. Championnes, elles sont les médaillées d'or du tournoi de handball féminin. La Réunion remporte donc cette finale 33-20. Regardez, ça danse également côté Mahorais. Défaite.